Vous écoutez Close Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 26 octobre 1919, le SS Orduna arrive à New York. Depuis plusieurs heures déjà, tout son équipage fouille le navire à la recherche de Mary Ampress. L'actrice anglaise reste introuvable et la cabine 480 ne donne aucun indice. Plus de 100 ans après sa disparition, on se demande encore où est donc passée Mary Empress. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-up Dramatique. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un mystère qui dure depuis plus de 100 ans, celui de la disparition de Mary Ampress. Histoire vraiment bizarre, beaucoup de choses à dire sur cette actrice anglaise qui disparaît au cours d'un voyage par bateau direction New York. Ce qu'il y a de particulier avec le cas de Marianne Press, c'est qu'après sa disparition, il n'y a eu aucun signalement. Il n'y a personne qui a aperçu la femme nulle part, alors qu'elle était un visage très connu partout à travers le monde. Autre chose très particulière sur Marie Empress, c'est qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment qui elle était. On ne connaît pas ses origines exactes parce qu'elle prenait un vilain plaisir à mentir aux médias et à s'inventer plusieurs vies. Et tout ça, ça vient ajouter une couche de plus à la mystérieuse femme qu'était l'anglaise. Après sa disparition, comme si c'était pas assez, on va découvrir qu'elle avait possiblement plusieurs identités. Sa famille, ses proches et les autorités, en fouillant dans ses affaires, vont découvrir plusieurs noms que l'actrice utilisait. Vraiment une histoire très 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 intrigante. Malheureusement, pour nous, aujourd'hui, en 2022, marie Press n'est qu'un souvenir, une histoire de disparition parmi tant d'autres, parce que tous ses films ont étrangement eux aussi disparu, tout comme ses enregistrements audio, puisqu'elle chantait également. Encore une fois, ça vient s'ajouter au mystère et à l'histoire déjà étrange de marie Press. Après l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire, je suis curieux de le savoir. Un gros épisode aujourd'hui qui va vous intéresser, j'en suis sûr et certain, et qui va susciter beaucoup de questions. Je m'attarde pas plus sur l'intro, lançons-nous tout de suite. Mary Ampress naît à Birmingham le 26 mars 1884. S'il y a une chose qui est certaine dans la vie de l'actrice, c'est le fait que son père travaillait dans la construction. Comme le faisaient plusieurs actrices de l'époque, Marie Press, elle va mentir sur son âge et changer son année de naissance assez régulièrement. La date officielle du 26 mars 1884 à Birmingham est celle qui est écrite sur plusieurs de ses contrats de cinéma. Pour son lieu de naissance, on a plusieurs versions dites par l'actrice elle-même. Dans une première, ce serait bel et bien Birmingham, mais au cours de sa vie, elle va donner plusieurs autres pays. Elle pourrait être née en France, au Canada, en Espagne de parents émigrés anglais, mais au final, on ne sait pas vraiment puisque son acte de naissance officiel n'a jamais été retracé. On ne sait pas vraiment ce que faisait sa mère, même que l'actrice ne va jamais la mentionner au cours de sa carrière, comme si elle avait jamais eu de mère, ou du moins comme si sa mère ne l'avait pas marquée. Chose assez étrange. Sur certains sites, on mentionne que sa mère était possiblement une prostituée et que Marianne Press en avait honte, mais ça, c'est vraiment que des rumeurs. L'enfance de la jeune Anglaise est assez floue. Dans une entrevue donnée vers 1915, Mary Ampress explique venir d'une famille extrêmement riche et qu'elle a vécu une enfance très luxueuse. Elle était un peu une enfant gâtée. Dans une autre entrevue donnée la même année, elle affirme être issue d'une famille très pauvre. Selon l'actrice, son père devait travailler jour et nuit afin de réussir à payer l'éducation de sa fille unique. Ici, la relation avec ses parents est excellente, ce qui contredit ce que raconte Marie dans une entrevue de 1917, soit deux ans après, où elle raconte que son père était très abusif envers elle. Vous voyez un peu le genre. marie Press a souvent affirmé aussi au cours de sa carrière être une descendante directe de Shakespeare, rien de moins, mais aussi de Napoléon Bonaparte. Des faits qui n'ont jamais pu être prouvés et rien à part les dires de l'actrice indique qu'elle est de la lignée de ces deux légendes. Mary Ampress a tellement pris un vilain plaisir à tromper le public, ce qui fait qu'entre 1884, sa supposée naissance, et 1902, il y a un énorme trou. On sait pas ce qu'elle a fait tellement il existe de versions différentes de sa jeunesse. Une chose est sûre, c'est que enfant, elle avait sûrement beaucoup d'imagination déjà. En 1902, Mary se marie à William Horton. Après que son père soit décédé, supposément d'une façon très tragique. Un événement que l'actrice a jamais raconté, même qu'elle racontait parfois que son père était toujours en vie. La vie de femme mariée est pas évidente pour la future actrice. Elle est extrêmement ambitieuse et se voit pas rester femme au foyer et encore moins avec des enfants. Le couple se dispute régulièrement et en 1906, ils se séparent sans se divorcer. Le divorce sera officialisé seulement en 1918. La séparation du couple en 1906 est entraînée par le désir très vif de Mary Ampress de se lancer au théâtre. William Orton, lui, voulait une femme tranquille, bonne ménagère, sans trop d'ambition. Ce qui n'était pas vraiment le cas de la future star bien déterminée à réussir. Bien plus tard, d'autres détails vont être apportés à cette séparation. William Orton, en plus de pas aimer particulièrement l'ambition de sa femme, était très dérangé par ses problèmes de consommation de drogue. Et ça, c'est vrai. Dans plusieurs sources crédibles, bien évidemment, on mentionne que Mary Press avait des problèmes de consommation, des ennuis qui se sont amplifiés quand elle est devenue populaire. C'est donc deux éléments majeurs qui ont poussé l'homme et la femme à prendre leur distance. Les premiers contrats officiels de Mary Press arrivent en 1907, alors qu'elle est engagée en Afrique du Sud, alors sous le régime anglais, afin de tourner dans des théâtres du pays. Quand elle retourne à Londres en 1908, elle a acquis beaucoup d'expérience en jeu, mais aussi appris à chanter et à danser. Je me fie aux journaux de l'époque. Mary Empress est en 1908 une star déjà bien établie dans le milieu artistique. Elle aurait même un numéro qui fait sa renommée, un numéro où elle limite des hommes politiques ou de la sphère publique. En 1909, Empress affirme à plusieurs journaux qu'elle a reçu d'importantes offres de l'Amérique où le milieu cinématographique se développe à une vitesse folle. Peu de temps après, elle quitte son pays natal, direction New York, où son arrivée en sol américain est très médiatisée. Son manager, Henri Benjamin, fait un travail énorme afin de faire parler de Mary Empress. On écrit qu'elle est l'une des meilleures danseuses de la planète, mais aussi l'une des plus belles femmes. Peu de temps après son arrivée aux États-Unis, on annonce que la star fait partie d'une dizaine de projets d'ambition qui ne verront malheureusement jamais le jour. On ne sait pas aujourd'hui si c'est vrai que l'artiste était enterré sous les propositions de contrat ou si c'était juste un coup publicitaire afin d'attirer justement des opportunités. La même année, des journaux d'Atlantic City mentionnent que Mary Press connaît un beau succès dans les cabarets de la ville avec ses différents numéros osés et inédits. Quelques semaines après, on écrit dans les journaux que la star part pour New York afin de participer à un projet d'envergure, un projet dont je n'ai trouvé aucune trace. On mentionne ce projet à une seule reprise, c'est en 1921, soit deux ans après la disparition de l'actrice. On écrit qu'elle a participé à un spectacle new-yorkais qui fut un flop. Mais rien d'autre. C'est la seule et unique information qu'on a sur ce fameux spectacle new-yorkais. À la fin de l'année 1909, Empress est de retour à Londres où elle raconte ses supposés grands succès américains à qui veut bien l'entendre. Elle raconte être tombée sous le charme du pays, et ça c'est sûrement vrai puisqu'elle y retourne en 1911 et y achète une maison à Long Beach où elle vivra pendant deux ans. D'ailleurs, à son retour en Amérique, elle aurait performé à New York à nouveau dans un club de nuit qui s'appelait Les Folies Bergères, un endroit qui avait pour but d'illustrer la vie nocturne parisienne. Marie aurait fait un véritable succès dans ce cabaret, remplissant la salle à chaque soir. Mais en 1912, le club fait faillite et doit fermer. C'est ici qu'on rencontre les premières autres versions des origines de Marie Ampress. Pendant qu'elle performe aux Folie Bergères de New York, on mentionne qu'elle est née à Paris ou quelque part en France. On mentionne aussi que son anglais reste à travailler puisqu'elle s'exprimerait dans un anglais très basique. Ce qui veut dire que pendant qu'elle performe à ce club, elle fait semblant de parler plus ou moins l'anglais et en plus en imitant l'accent des Français. Ça va être assez farfelu, prête à tout pour faire parler d'elle. En 1913, alors qu'elle est toujours en Amérique, sa carrière est en chute libre. Afin de relancer cette carrière, elle va essayer les comédies musicales. En tant que bonne chanteuse et danseuse, Marie espère attirer l'attention de nouveau. Malheureusement pour la femme, ses performances dans deux comédies musicales seront pas du tout remarquées. Deux ans plus tard, en 1915, le cinéma a gagné beaucoup en popularité et Marie voit bien que les actrices sont de véritables stars adulées par tous. Elle a vu Marie Pickford créer des émeutes, Lillian Gish faire pleurer des salles entières, et les hommes fantasmer sur Tida Barra, la femme fatale. L'anglaise veut elle aussi devenir une idole du grand écran. Elle a tout pour le devenir. On la décrit comme étant l'une des plus belles femmes au monde, et elle sait très bien se présenter. Elle est extravagante, et a pour habitude de dire qu'elle n'a jamais assez de bijoux sur elle. Elle est un peu une star naturelle. Grâce à de bonnes connexions, elle va entrer assez facilement dans le milieu du cinéma. La même année sort Old Dutch, son premier film. Mais il faut attendre son deuxième film, When We Were 21, où elle joue une danseuse burlesque afin de voir arriver le succès. Je l'ai dit plus tôt, aucune production dans laquelle Mary Empress est apparue au grand écran est parvenue jusqu'à nous. Il faut donc se fier aux journaux pour se faire une idée des performances de l'actrice. Selon les médias de l'époque, When We Were 21 est un film tout à fait normal. Mais c'est la performance de Mary Empress qui vient tout chambouler. On raconte que les performances dansées de l'actrice sont osées, voire vulgaires dans certains journaux. Le film sera d'ailleurs interdit au Kansas. Une censure qui va provoquer plusieurs manifestations auprès des citoyens qui veulent voir le film. L'actrice a raconté très souvent par la suite qu'afin de provoquer davantage et faire changer cette interdiction, elle aurait performé quelques numéros très très osés directement dans les rues du Kansas, des performances qui ont attiré un bon lot de personnes curieuses de voir la femme danser. Le fait qu'elle soit censurée va lui donner énormément de publicité. On le dit souvent, c'est connu, la censure est le meilleur moyen de faire parler de soi-même. Et tout ça va lui emmener plusieurs propositions de contrat avec le cinéma américain. Des productions qui en Angleterre connaissent des succès immenses. Dans son pays natal, on la compare d'ailleurs à Mary Pickford, la plus grande star de l'époque. Jusqu'en 1917, Marie va jouer dans près de 12 films à succès, en plus de continuer à performer dans les cabarets du pays. Au cours de cette période, selon l'actrice, elle serait tombée en amour avec un musicien, un amour complètement impossible et elle aurait tenté de se suicider pour lui. Mais ça, on sait pas si c'est vrai, puisque je trouve aucune pause inhabituelle ou encore d'articles de journaux qui parlent de ce drame. Étant une femme très populaire, si Marie avait tenté de se suicider pour un homme, je pense que les journaux en auraient parlé. En 1917 et jusqu'en 1919, on trouve que très peu d'articles au sujet de Marie press Même qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Chaussure, elle retourne à Londres, puis à Birmingham. Mais on ne sait pas du tout si elle performe dans des cabarets, si elle chante. Elle divorce officiellement avec William Orton en 1918, un divorce qu'on retrouve quelques papiers ici et là, mais sinon rien à propos de sa vie personnelle et encore moins de sa vie professionnelle. Il faut aller en septembre 1919 pour réentendre parler de la femme. Mary Press donne une série d'entrevues où elle exprime son désir de retourner aux États-Unis afin de performer et de retourner au cinéma. Elle laisse même planer un certain doute sur son retour en Angleterre. Plusieurs médias anglais croient qu'une fois retournée aux États-Unis, la femme ne reviendra plus en Angleterre. Le 19 octobre 1919, Mariam Press embarque à bord du SS Orduna afin de faire sa dernière performance. Après deux ans de tranquillité, loin de la vie médiatique en tout cas, Mariam Press décide de quitter à nouveau l'Angleterre pour retrouver les États-Unis, où elle espère faire du cinéma, une carrière qui entre 1917 et 1919 semble au point mort. Sa famille et ses amis sont unanimes. L'actrice, chanteuse et danseuse attendait impatiemment ce voyage et espérait beaucoup de ce retour en sol américain. Après avoir annoncé son départ à plusieurs médias, elle embarque à bord du SS Orduna avec mille autres passagers en direction de New York. Au cours de ce voyage, un seul arrêt est prévu au Canada à Halifax avant d'atteindre la grosse pomme. Pour la petite histoire du SS Orduna, c'est un grand bateau qui aura beaucoup servi pendant la Première Guerre mondiale mais aussi pendant la Seconde. C'est un navire qui peut accueillir près de deux mille personnes lorsqu'il est à pleine capacité. Mais pour les voyages plus touristiques, je dirais, comme celui qu'a fait Marie Empress, le bateau compte mille personnes. Le 19 octobre 1919, Marie Empress embarque à bord du navire sous les regards d'une tonne de journalistes venus assister à son départ. Un départ qui, je le rappelle, est dit comme le dernier, comme un adieu à l'Angleterre, puisque plusieurs pensent que la Star ne quittera plus les États-Unis et ne reviendra plus dans son pays natal par la suite. Si je me fie aux dizaines d'articles sur ce départ, Marie Empress est habillée tout de noir. Dans quelques articles, on mentionne qu'elle porterait même un voile, comme le ferait une veuve, par exemple. Les journalistes sont très étonnés aussi par l'allure peu extravagante de la femme. On écrit qu'elle est habillée comme le serait n'importe quelle autre femme en deuil de la première classe on peut donc en déduire que marie ne porte pas sur elle sa tonne de colliers perlés et ses bracelets vêtue assez simplement mais toujours très distinguée c'est un fait qui sera rapporté plus tard aussi par les autres passagers. Ces témoins vont affirmer que Marie-Empress était peu extravagante tout au long du voyage, du moins dans son apparence. Très souvent vêtue de noir, portant même le fameux voile qu'elle aurait porté à son embarqué. À tous les jours du voyage. Certains journalistes ont pensé que la star était une veuve de guerre qui peut-être entre 1917 et 1918 aurait été éprise d'un militaire anglais ou américain qui serait décédé pendant un combat et qu'elle portait le deuil ainsi. Une histoire qui aurait été gardée secrète du moins par l'actrice et sa famille. Mais ça, il n'y a rien de sûr là-dessus, c'était peut-être juste un coup publicitaire afin de susciter des réactions et des questions. Ou encore, c'était peut-être juste pour montrer sa tristesse de quitter le pays. On ne sait jamais avec Marie Impresse où la vie est une énorme pièce de théâtre. Revenons à la journée du 19 octobre 1919. Une fois à bord du Orduna, Marie est prise en charge par plusieurs employés du bateau. L'Anglaise et ses dizaines de valises remplies de ses costumes de scène et de ses bijoux ainsi que de divers papiers sont amenés dans la cabine 480. Selon les hommes qui l'escortent, la femme, malgré son look très endeuillé, est assez enjouée et se montre même très amicale avec les passagers déjà à bord, qui reconnaissent la star. Elle discute avec plusieurs passagers sur le chemin, ce qui embête les membres de l'équipage du bateau qui ont des dizaines de valises sur leurs bras. Arrivée dans sa cabine, Marie se serait assise sur son lit et aurait demandé à ce qu'on la laisse seule un certain moment afin qu'elle se change. Par la suite, on ne sait pas vraiment à quoi ressemblait la première journée sur le hors de Marie, mis à part qu'elle a sûrement rencontré le capitaine du bateau en bonne célébrité de l'époque. Jusqu'au 25 octobre, les passagers du navire affirment que Marie Empress est une habituée des soirées organisées par le bateau. Elle est très enjouée, discute avec pratiquement tous les mille autres passagers et fait même des arrêts quotidiens dans les classes inférieures afin de faire la fête. Chose qui, en 1919, est peu commun de voir débarquer en troisième classe avec les ouvriers une femme de première prête à danser et à faire la fête. Le 25 octobre 1919, le SS Orduna fait son seul et unique arrêt à Halifax. Marie descend du bateau et se rend dans un bureau de poste où elle envoie un message télégraphié à un hôtel de New York. J'arrive lundi. Ayez une chambre pour moi. Après avoir envoyé ce court message, elle remonte sur le navire et regagne sa cabine et c'est ici que commence le mystère de la disparition de Marie Empress. Selon Samuel Furnell, un serveur du SS Orduna, vers 18h30, il aurait été appelé par l'actrice. Cette dernière lui aurait demandé un verre d'eau glacée et de se faire discret à son retour. Après lui avoir apporté son verre d'eau glacée, Furnell repart en direction du restaurant, laissant Empress seul dans sa cabine. À 22h30, Furnell est étonné de ne pas voir l'actrice au restaurant. On le sait, sur un bateau, le rythme de vie est décalé de la réalité, et à cette époque, les gens de première classe mangeaient assez tard. À 23 heures. Furnell est tout aussi étonné de ne pas avoir d'appel de la part de l'actrice. Contraire à ses habitudes, lorsqu'elle ne se présentait pas en salle à manger, elle l'appelait afin d'avoir un sandwich. Là, c'est n'est pas le cas. Aucune demande de Marie Empress. Furnell poursuit sa soirée se disant que l'actrice s'est sûrement endormie plus tôt que prévu. Le lendemain matin à 10h, n'ayant pas aperçu la star au petit déjeuner, Samuel Furnell s'inquiète. Il se rend alors à la cabine 480 et frappe à la porte. N'ayant aucune réponse, il va frapper plus fort, demandant en même temps à l'actrice si tout va bien. Toujours sans réponse, le serveur se rend au capitaine, lui expliquant toute la situation et surtout en lui expliquant qu'Empress n'a jamais raté un petit déjeuner depuis le début du voyage, que ce soit en première ou en troisième classe. Le capitaine du bateau, sachant lui aussi les habitudes très sociales de la Star, va ordonner qu'on ouvre la cabine 480. Furnell et quelques autres hommes se rendent alors à la cabine de la Star. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ils découvrent qu'elle était barrée de l'intérieur. Dans la cabine, aucune trace de Mary Empress. Ses affaires sont bien rangées, son lit n'est pas défait. Mis à part les valises, rien ne laisse présumer qu'une passagère occupait la cabine. Furnell retourne alors voir le capitaine et lui exprime son inquiétude. Lui aussi inquiet, le capitaine ordonne une fouille complète du bateau afin de retrouver la star anglaise. À midi, le 26 octobre, le SS Orduna a déjà été fouillé au complet à trois reprises, et rien ne laisse entrevoir la moindre trace de l'actrice. Avant de m'embarquer dans les nombreuses hypothèses concernant la disparition de Mary Empress, je tiens à vous mentionner une deuxième version de la journée du 25 octobre, une version qui a été rapportée dans le Richmond Times le 16 novembre 19, soit près de trois semaines après la disparition de Empress une histoire beaucoup plus sensationnaliste racontée par Margaret Furley, une autre serveuse du Hors du Selon Margaret, au cours du voyage, elle s'est souvent retrouvée à discuter avec Marie Empress de longs moments. La serveuse raconte que l'actrice lui aurait confié à être très nerveuse et anxieuse à l'idée de retourner à New York. L'actrice n'aurait pas de plan particulier afin de s'assurer de son retour triomphant. L'actrice a déclaré à la serveuse qu'elle n'avait aucun contrat sérieux qui l'attendait dans la grande ville, même que la femme ne savait pas trop comment elle allait s'arranger pour vivre une fois rendue aux États-Unis. Ampress n'avait pas de résidence officielle et pensait vivre d'hôtel en hôtel pour un certain moment. L'actrice était aussi très nerveuse de retourner à New York puisqu'elle affirme ne connaître pratiquement personne et de ne pas avoir d'amis dans la ville. Chose tout de même assez étrange puisqu'elle a performé très souvent dans la Grosse Pomme. Toujours selon Margaret, Mary Ampress lui aurait également confié qu'elle se marierait prochainement. Mais aucune précision sur cette déclaration. Elle n'aurait jamais précisé avec qui et encore moins avec quel genre d'homme. Au moment de sa disparition, la famille d'Umpress a affirmé que la star n'avait aucune liaison amoureuse. Umpress était beaucoup plus intéressé par le fait de relancer sa carrière et sa vie professionnelle que par sa vie privée. La serveuse du Horduna raconte aussi que l'actrice avait sur le nez une petite blessure qu'elle tentait souvent de dissimuler sous son voile ou en se cachant derrière sa main, ce qui la laissait parfois dans une drôle de position pour discuter. Ayant lié une certaine amitié avec la star, Margaret lui aurait demandé à quoi était due cette blessure. L'actrice lui aurait alors expliqué qu'elle avait fait un violent accident de voiture alors qu'elle était aux États-Unis pour la première fois, soit entre 1911 et 1917. Si on analyse cette information, c'est assez absurde. Tout d'abord, parce que si on dit que Marie Empress a fait un accident de voiture en 1917 soit la dernière année de son séjour aux États-Unis, il s'est écoulé près de deux ans avant le supposé accident et le voyage sur le Orduna. Une durée assez importante qui aurait laissé le temps à la blessure de guérir. Autre chose, une star comme Mary Empress, qui aimait faire parler d'elle et qui prenait toute opportunité afin de faire parler d'elle aurait sûrement sauté sur l'occasion pour raconter le récit rocambolesque de l'accident. On retrouve aucune trace écrite de cet accident de voiture supposément très violent. Assez étrange. Margaret Farney raconte que le 25 octobre vers 18 heures, elle se rend à la cabine 480 à la rencontre de l'actrice. Farney rencontre Empress à la porte de sa cabine qui, selon elle, semblait attendre quelqu'un. La serveuse demande à l'anglaise si elle désire quelque chose, ce à quoi Empress répond qu'elle a besoin de rien. C'est que plus tard en soirée que Margaret aurait été appelée par la star afin d'avoir à manger. Vers 21h, Empress aurait appelé la serveuse afin de demander un sandwich. Trente minutes plus tard, Forney se rend à la cabine 480 afin d'apporter le 10 sandwich. Elle cogne et obtient aucune réponse. Ne voulant pas déranger la star, elle laisse le sandwich sur le pied de la porte. Le lendemain matin, vers 10 heures, en passant devant la cabine, Forney remarque que le sandwich y est toujours. Elle frappe à la porte et, devant l'absence de réponse, se rend au capitaine qui, par la suite, ordonne l'ouverture de la cabine. Sans trace de Mary Press », il aurait demandé à ce que le SS Orduna soit fouillé de fond en comble. Deux versions, quand même assez différentes, qui nous disent pas vraiment qui a déclaré l'absence de Mary Press » en premier. La version du capitaine du Orduna n'a jamais été rendue publique ou du moins n'a jamais été médiatisée. Une seule chose est sûre, c'est qu'à midi le 26 octobre 1919, le SS Orduna avait été fouillé à plusieurs reprises sans aucune trace de Marie Press, ni aucun indice sur les raisons de sa mystérieuse disparition. Lorsqu'il arrive à New York quelques heures plus tard, la disparition de Mary Press a déjà été annoncée. C'est une agitation très inhabituelle qui attend le SS Orduna à New York. Parmi les familles et les amis des passagers, une foule de journalistes ainsi que de policiers embarquent à bord du navire pour en savoir un peu plus au sujet de la mystérieuse disparition de la star. Les autorités ne trouveront aucun indice et aucune trace de Mary Empress. Comme je l'ai dit plus tôt, à part ces valises qui n'ont pas encore été fouillées, rien n'indique que la star du spectacle était à bord du Orduna. Dans la soirée du 26 octobre 1919, les policiers vont se mettre à fouiller les valises et l'intérieur de la cabine 480. Ils vont trouver rien de très surprenant. Dans les valises de l'actrice, ses robes de soirée, ses voiles, mais aussi des vêtements d'homme, vêtements qu'elle se servait afin de personnifier des figures masculines importantes. Par contre, on note que les bijoux de l'actrice ainsi que son sac à main ont disparu. S'il est vrai, et c'est écrit dans les journaux de l'époque, qu'à son embarqué à bord du SS Orduna, Mary Empress était habillée sobrement. Durant le voyage, les passagers ont rapporté qu'elle avait ses bijoux sur elle à chaque jour, qu'elle avait ses perles accrochées au cou, ainsi que ses bracelets qui parfois étaient très bruyants lorsqu'ils claquaient ensemble. Dans la cabine 480, on ne retrouve pas la moindre boucle d'oreille, ni le plus petit des bracelets. Autre chose étrange, on ne retrouve pas le passeport de Mary Empress, mais bien celui d'une certaine M.A. Smith. Est-ce que l'actrice voyageait sous une fausse identité? Je m'embarque pas là-dedans tout de suite, j'y reviens plus tard. Après que les policiers aient fouillé la cabine 480, puis le SS Orduna au complet, la nouvelle de la disparition de Mary Empress fait rapidement le tour du monde. Mary Empress, l'actrice sensationnelle, disparaît sans laisser de traces au cours de son voyage vers New York. Les journaux ont des dizaines et dizaines de versions différentes et l'histoire est même dure à suivre à certains moments. Mais où est donc passée Marie Empress? La star semble s'être volatilisée. Après sa disparition, plusieurs hypothèses et découvertes tout aussi étranges viendront s'ajouter à l'épais mystère. La disparition de Mary Press est encore aujourd'hui, plus de 100 ans après, un vrai de vrai mystère. Le 8 novembre 1921, la star a été déclarée officiellement morte. La cause officielle est un possible suicide et elle se serait jetée à l'eau dans la nuit du 25 au 26 octobre 1919, à l'âge de 35 ans c'est la première hypothèse sur sa disparition et peut-être la plus probable aussi mais c'est pas aussi simple que ça parce que son entourage et sa famille ne croient pas au suicide ils vont même jusqu'à affirmer que c'est impossible mary empress était très très heureuse de retourner aux états-unis et était persuadée que sa carrière allait être relancée. En plus que la journée du 25 octobre, tous les ponts du SS Orduna étaient occupés par les passagers. Ils attendaient tous de voir apparaître au loin la silhouette très floue de New York. En plus, il y avait pas mal d'animation à l'extérieur du bateau, les musiciens jouaient et les passagers ont dansé jusqu'aux petites heures du matin, selon plusieurs témoins. Il serait donc presque impossible que Marie Empress se soit faufilée à travers les passagers et se soit jetée par-dessus bord dans le but de se suicider sans que personne ne la remarque. Faut pas oublier aussi, tous les passagers du SS Ordina, y compris les employés, connaissaient l'anglaise. C'est très dur à croire que Mary Empress aurait réussi à passer inaperçu, ou même de se faufiler, comme je le disais, sans que personne se mette à lui parler et elle était très amicale avec les autres passagers c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les témoignages le fait qu'il y avait beaucoup d'agitation sur les ponts et la notoriété très grande de mary ampress qui fait en sorte que tout le monde voulait discuter avec elle rend la thèse de l'accident très peu probable aussi dans le cas où elle aurait fait une chute accidentelle dans l'océan et personne ne s'en serait rendu compte encore une fois très peu probable avant de me lancer avec les hypothèses plus controversées avec une odeur de scandale, je veux parler de la cabine 480, qui dans les deux versions, soit celle de Samuel Furnell et Margaret Farney, était barrée de l'intérieur. C'est un détail très intrigant parce que comment a fait Mary Empress pour sortir de sa cabine, on le saura jamais malheureusement. Là, vous allez me dire, Mary Empress, actrice de renom, elle était parmi les premières classes, elle devait pas être dans un bunker sans fenêtre. C'est vrai, elle avait un hublot, mais ce hublot ne mesurait que 13 pouces, soit un peu plus de 30 cm. Les autorités ont fait de nombreux tests avec les mensurations de l'actrice, et il est impossible qu'elle se soit échappée, entre guillemets, par le hublot. Ce qui rend tout ça encore plus étrange et elle s'est vraiment volatilisée, on dirait. J'ai parlé de l'hypothèse du suicide, de l'accident, et j'ai adressé le fait qu'il était impossible pour Marie Empress de sortir de sa chambre par le hublot, ce qui vient ajouter au mystère de la cabine barée de l'intérieur. Je peux maintenant vous parler d'hypothèses plus bizarres, mais qui, je dois avouer, sont tout de même assez probables, connaissant la capacité de la femme à s'inventer une vie et à arranger la réalité en sa faveur, ou du moins pour faire parler d'elle. Quand les policiers fouillent la fameuse cabine 480, ils retrouvent un passeport, on se rappelle. Un passeport, non pas au nom de Mary Empress, mais bien au nom de M. A. Smith. Mais qui est donc cette mystérieuse femme au nom de M.A. Smith, on se le demande encore. Ce passeport retrouvé emmène les policiers à croire que Mary Empress n'était peut-être pas à bord du SS Orduna. L'actrice aurait engagé une sosie afin de se faire passer pour elle et ainsi rester en Angleterre, refaire sa vie plus ou moins incognito. Qu'est-ce qui peut prouver davantage cette hypothèse? Ben, premièrement, on retrouve des chaussures qui ne sont pas de la pointure de l'actrice. Même chose sur plusieurs de ses robes qui ne sont pas de sa taille. Les policiers vont déclarer que si marie Empress, la vraie, avait porté ses robes, elle aurait littéralement flotté à l'intérieur. Les autorités s'appuient aussi sur le fait que la femme portait régulièrement un voile lors de ses promenades ou de ses sorties sur le bateau, ce qui peut laisser penser qu'elle tentait de cacher son vrai visage. Selon plusieurs témoins, la femme portait, lorsqu'elle n'avait pas son voile, une épaisse couche de maquillage, chose qui n'était pas dans les habitudes de l'actrice de porter beaucoup de maquillage. Elle était convaincue, et c'est vrai, elle avait une beauté naturelle, sans artifice. On n'oublie pas non plus la petite blessure au nez supposément provoquée par un violent accident de voiture, dont aucun média n'a parlé. Accident de voiture qu'elle a eu alors qu'elle vivait aux États-Unis et qu'elle y performait. On se souvient aussi, selon Margaret Forney, l'une des serveuses du bateau Empress lui aurait dit qu'elle ne connaissait pas très bien la ville de New York et ne connaissait pas beaucoup de gens. Chose quand même bizarre quand on pense qu'elle a travaillé et performé dans la ville pendant des mois. Elle se serait fait aucun ami là-bas ou c'est la sosie de Marie Empress qui se trompe dans son histoire. Cette hypothèse nous laisse deux questions. La première, mais où est donc passée cette doublure, si c'est une doublure Peu importe qui était à bord du SS Orduna à son arrivée à New York, il manque bel et bien quelqu'un. Qu'est-ce qui lui est arrivé Où est donc cette femme La deuxième question pourquoi Marie Empress aurait fait semblant de partir à New York, relancer sa carrière et aurait engagé une doublure Ben là, vous allez être surpris, mais on le sait pas. Est-ce que pendant les deux années qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, Marie Ampress aurait rencontré un homme, serait tombée en amour avec lui et aurait voulu complètement changer de vie pour lui Peut-être. Peut-être aussi que soudainement, sans qu'on sache pourquoi et sans raison aussi, elle a décidé qu'elle était tannée de sa vie de star et qu'elle entrait dans l'anonymat. Ça se peut très bien aussi. Mais dans ce cas-là, elle s'est vraiment bien fondue dans la société parce que personne, nulle part, a dit avoir aperçu l'actrice. Quatrième hypothèse qui va faire couler beaucoup d'encre, chers auditeurs de close-up le coût publicitaire. Une version qui est souvent mentionnée dans les journaux de l'époque, ou en tout cas, plusieurs journalistes semblent y adhérer. En gros, on croit que Mary Empress aurait organisé sa disparition dans le but de faire parler d'elle et de revenir d'une façon ou d'une autre en racontant une histoire de survie incroyable. Une hypothèse qui rend furieux les journalistes et même que certains tribunaux aux États-Unis et en Angleterre organisent des procès afin de poursuivre l'actrice pour fraude lorsqu'elle sera réapparue. Pouvez-vous imaginer l'ampleur que cette hypothèse a eue, une version des faits que la famille et les amis, bien évidemment, espéraient véridiques et espéraient voir miraculeusement réapparaître la femme dans les jours ou semaines qui suivent. Mais Mary Empress ne réapparaîtra jamais nulle part. Si cette hypothèse est vraie, l'hypothèse du coup publicitaire, a-t-elle eu peur des réprimandes qui l'attendaient? A-t-elle compris qu'elle avait été trop loin avec ce coup publicitaire? Des questions qui restent sans réponse, bien évidemment. Tout ça emmène une autre hypothèse, celle de la disparition volontaire. Est-ce que, comme je disais, lassée de sa vie ou par peur des réprimandes qui l'attendaient, Mary Empress a décidé de repartir à zéro sous une nouvelle identité et une nouvelle apparence Parce qu'on s'entend là, repartir à zéro quand tu es une star comme Mary Empress, c'est pas évident. Tu dois te faire reconnaître un peu partout. La disparition volontaire est une thèse que les membres de l'équipage du SS Orduna semblent croire. Plusieurs employés du bateau ont raconté que, tout au long de son voyage, Marie Empress s'intéressait beaucoup aux allées et venues de l'équipage ainsi qu'à leurs habitudes. Essayait-elle de comprendre ce qu'il fallait faire pour se fondre dans le décor, pour qu'une fois arrivée à New York, déguisée en membre d'équipage, elle descende incognito afin de refaire sa vie Ben c'est possible, et là, tenez-vous bien. On se rappelle que dans ses valises, Marie Empress emmenait avec elle ses costumes de scène, dont ses habits d'homme. Ben parmi ces habits d'homme-là, un seul manquait selon les autorités. Il manquait bel et bien, si on se fie au papier de l'embarcation qui décrit ce qu'il y a dans ses valises, le costume de marin. C'est complètement fou. Bien évidemment, toutes ces hypothèses concernant la disparition de Mary Empress laissent des dizaines et dizaines de questions aux proches de la star. Mais une seule personne qui a souvent été interviewée par la suite ne semble pas trop se poser de questions. Même que cette personne semble complètement détachée de l'affaire. C'est son manager, Henri Benjamin. Rapidement interrogé sur la disparition de Maryam Press, Henri Benjamin est au-dessus de ses affaires. Il répond pas trop aux questions des journalistes et rappelle que pour le moment, rien n'indique que l'actrice est décédée. Quelques semaines après la disparition, il va affirmer que lui est persuadé que Mary Empress va revenir en grand très bientôt et que c'est inutile de le contacter parce qu'il en sait pas plus. Henri Benjamin ne répondra plus jamais après 1920 aux questions concernant Mary Empress et sa disparition. Assez bizarre. Plusieurs ont supposé qu'il était peut-être en contact avec l'actrice qui lui mentionnait qu'elle souhaitait revenir d'une façon ou d'une autre, ou encore, à un moment donné, peut-être, que l'actrice lui a carrément dit ⁇ Écoute, je ne reviendrai pas, arrête de parler de moi, je suis disparu, voilà. ⁇ La dernière thèse concernant la disparition de Mary Empress est bien sûr celle du meurtre, version que peu de personnes adhèrent, puisqu'on ne connaît pas d'ennemis de l'actrice, bien qu'elle consommait beaucoup de drogue, on se le rappelle. Elle n'avait pas de dettes non plus envers ses vendeurs de drogue, qui auraient pu en vouloir à l'actrice au point de l'assassiner. Est-ce que sur le bateau, elle aurait rencontré des personnes mal intentionnées qui l'auraient par la suite assassinée? C'est possible. Est-ce que les nombreux bijoux de l'actrice ont attiré l'attention de voleurs qui auraient essayé de les prendre? Surpris par l'actrice en pleine action, le vol aurait mal tourné? Ça se peut aussi. Mais dans ce cas-là, encore une fois, où est le corps de l'actrice? On n'a jamais rien retrouvé. La cabine 480 était dans un état impeccable à sa découverte. Ça veut dire que les supposés meurtriers inconnus auraient commis le meurtre parfait, laissant aucun indice derrière eux. On dit toujours que le meurtre parfait n'existe pas. C'est pas tout encore concernant la disparition de Mary Empress. Au début novembre, au début novembre 1919, les autorités britanniques se mettent à fouiller l'appartement de l'actrice. Ils vont découvrir des choses qui nous laissent encore plus dans le doute et qui nous emmènent à dire qui était vraiment Mary Empress. Lorsque les policiers anglais entrent dans l'appartement de la star disparue, ils découvrent un appartement bien rangé, bien propre. Sur la table du salon, quelques bijoux traînent, mais c'est des accessoires que l'actrice ne traînait pas partout avec elle, des bijoux d'une moins grande valeur que ceux qu'elle avait emportés avec elle lors de son départ pour New York. On découvre aussi plusieurs affiches de films, d'articles de journaux la concernant. Jusque-là, rien d'étrange. On est dans l'appartement d'une célébrité qui garde toujours quelque chose des écrits à son sujet, comme le font plusieurs stars, j'en suis sûr. Mais les autorités vont rapidement tomber sur des lettres qui viennent épaissir davantage le mystère de Mary Ampress. Parmi ces lettres, il y a aussi des papiers de banque, de notaire et des factures par rapport à l'achat de bijoux et autres biens de valeur. Mais le nom qui se retrouve sur ces papiers est rarement celui de Mary Empress. On compte plus d'une dizaine de noms différents comme Mary King, Mary Orton, son nom de femme mariée, Mary Hampton et Mary A Smith, le nom qui apparaît sur le passeport retrouvé dans la cabine 480. Pourquoi Marie Empress avait tant de papiers avec tant de noms différents chez elle? Se faisait-elle passer pour d'autres femmes, mais dans ce cas-là, encore et toujours, pourquoi? Avait-elle quelque chose à cacher? Des dettes, des ennuis? Essayait-elle de fuir quelqu'un, de cacher ses activités? Tellement, mais tellement de questions qui auront peut-être jamais de réponse. Après la découverte des multiples identités de Mary Empress, les policiers apprennent que dans le compte en banque à son nom, Mary Empress, il n'y a plus le moindre sou. Tout l'argent a été retiré quelques jours avant le départ du SS Orduna vers New York par l'actrice elle-même. La femme au comptoir de la banque se rappelle même avoir servi l'actrice et d'avoir discuté avec elle un court moment. Elles se sont parlé des différents films dans lesquels l'actrice jouait et ont ri concernant ses futurs projets. En quittant la caisse, marie Press aurait déclaré Ce fut un plaisir de discuter avec vous, bonne journée. Et la caissière de répliquer Bon voyage à vous. Une discussion tout à fait normale. Seul Hic, dans cette histoire, la caissière qui tient à rester anonyme selon les journaux de l'époque ne se souvient plus du montant retiré et explique avoir été trop distraite par l'actrice pour se souvenir de ce détail. La caissière explique aussi que le papier signé par l'actrice qui validait le retrait de l'argent a mystérieusement disparu. La caissière ne se souvient pas avoir rangé le papier. Alors, est-ce que l'actrice a pris le papier avec elle? En octobre 1920, afin de commémorer le premier anniversaire, triste premier anniversaire de sa disparition, plusieurs salles de cinéma anglais tiennent à organiser une journée en l'honneur de Mary Empress. Ils diffuseront plusieurs de ses films. C'est annoncé partout dans les journaux. Mais surprise, lorsqu'ils se rendent dans les différents studios de cinéma, aucune copie ne peut être retrouvée. Même si elles avaient été bien rangées et identifiées, elles restent introuvables. On communique alors rapidement avec les studios américains afin de faire traverser les bandes originales de ces films. Mais même chose du côté des États-Unis, les bandes originales sont introuvables. Elles ont disparu. Les studios de cinéma américains découvrent au même moment que les quelques enregistrements audio de l'actrice faits entre 1913 et 1915 sont eux aussi manquants, volatilisés comme l'actrice. Où sont donc passées les archives audio et visuelles de Mary Empress Si ce n'était pas des contrats de l'actrice ainsi que des quelques photos de Mary Empress, on pourrait presque croire qu'elle n'a jamais existé. Cent ans après la disparition de Mary Empress, les questions restent sans réponse. Que s'est-il passé le soir du 25 octobre 1919 dans la cabine 480 du SS Orduna? Mais surtout, où est passée marie Empress? Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.